Bonsoir, Christophe Roussin, donc je suis le directeur de l'Institut français de Tétouan et je suis ravi d'être ici à Darsana, donc l'école des arts et métiers, pour ce spectacle exceptionnel, donc dans le cadre des Nuits du Ramadan. Il s'agit de la 6e édition des Nuits du Ramadan et nous avons le grand plaisir d'accueillir la diva Dorsa Famdani qui a monté un projet exceptionnel autour de deux autres grandes divas, la diva française Barbara, qui est une chanteuse qui est décédée il y a une vingtaine d'années, que je crois beaucoup quand même de Marocains connaissent en tout cas un certain nombre de leurs chansons. Et puis je ne présente pas Férouz, que ici tout le monde connaît, comme dans l'ensemble du Moyen-Orient, également en France. Elle a monté ce projet avec Daniel Mill, donc un accordéoniste qui a joué avec des très grands musiciens, notamment Barbara, mais également Claude Nougaro, et plein d'autres. Et elle s'est entourée d'autres musiciens tunisiens, palestiniens, pour ce projet dans lequel elle met en... Voilà, à sa manière, elle chante à sa façon des textes de Férouz et de Barbara, deux divas qui ne se sont pas rencontrées mais qui ont quand même beaucoup de concordances et beaucoup de points communs entre elles, notamment à travers leur vie. Et c'est un plaisir pour nous de les accueillir dans le cadre de ces 6e nuits du Ramadan qui sont pilotées par l'Institut français d'El Jadida, d'ailleurs dont le directeur est présent. Et voilà, c'est une 6e édition qui est consacrée aux voix féminines d'Afrique. Donc nous sommes ravis d'accueillir Dorsa Famdani qui nous vient de Tunisie.